Bonjour, bonjour, coucou les amis. Aujourd'hui, c'est octobre, le 31. Nous sommes à la fin du mois d'octobre. Oui, fin du mois d'octobre. Fin du mois d'octobre. Comme Nicolas raconte son histoire. Alors, aujourd'hui, je vais écouter Nicolas encore. Ah, ça fait longtemps que j'écoute cet épisode de Nicolas. Mais je pense que la semaine prochaine, ah, ça sera la dernière épisode, dernière prix de cette petit Nicolas. Alors, je vous aime. J'espère que vous apprécierez cet épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Un podcast France Culture, des aventures du petit Nicolas, de René Consigné et Jean-Jacques Sopé. Réalisation, Baptiste Daguiton. Fin du mois d'août. Je suis en train d'aller en vacances. J'étais dans une école, c'était très bien. J'étais content de retrouver la maison. Elle sent bon. Ma chambre tous les jours. Ça, c'est chouette. Ça sera la colonne. Mange bien. Mais ma cousine est mieux que tout le monde. Ça, c'est la chambre pour le jeune. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas, moi. Tu dois être fatigué du voyage. Ah, tu vas te reposer dans ta chambre. Je ne suis pas fatigué. Alors, va jouer. Avec qui? Avec qui? On va avoir une question. Avec personne, je suppose. Moi, je n'ai pas joué tout seul. Je n'ai pas juste à la colonne des temps de copier. Elle a toujours des choses à faire. Et puis, elle a cru que c'est fait plaisir de les jouer tout seul. Je vais continuer à attendre dans la cuisine. Ça commence bien. Elle m'a consolé. Elle m'a dit qu'on a peut-être déjeuné. Je vais jouer dans le jardin. Peut-être que je peux inviter ma mère de vécu et de rentrer en vacances chez elle. Ma mère de Vige, c'est une fille de métier de courte plaque qui sont nos voisins. Madvige est très chouette, même si c'est une fille. Et là, c'était de la veine, parce que nous sommes dans le jardin. Je me réveille, je suis dans la sienne. Je me réveille, je suis dans le jardin avec moi. Il ne passait pas trop d'œil. Madvige, dès que j'ai vu le niveau des vacances, il est devenu toute foncée, avec ses yeux blancs. Ça fait très joli. Non, vraiment, même si c'est une fille, elle est très chouette, Madvige. T'as bonne voie sur vacances, terrible. J'étais dans un chrono, j'étais dans l'équipe et la mienne, c'était la meilleure. Elle a supéré, elle a donné la société. Je croyais que le chef était de gras. Mais moi, j'étais lady chef. J'ai jamais, je sais demander. C'est lui qui commandait vraiment, c'était moi. Il y avait des filles dans le chrono. Bien sûr que non. C'était très dangereux pour les filles. Vous êtes des choses terribles. Je me suis dit, c'était noyé. Ah, Nicolas. Tu racontes des blagues. Comment des blagues? C'est pas des fois, mais trois. J'en avais oublié. Et pour la plèche, c'est moi qui ai gagné le concours. Et je ne dors pas comme ça. J'ai raté les débats. Autant que je pouvais, la mère de fiche s'est mise à rigoler, comme si elle ne me croyait pas. Ça, c'est ma pire. C'est vrai, un peu qu'elle fait, on ne peut pas parler. J'ai raconté la fois où j'étais à la police, je me retrouvais un voleur qui était devenu caché dans les coins. La fois est retour. Et tout le monde est très inquiet. Mais je suis retourné à la plage, tout le monde m'a fait féliciter avec que j'étais champion terrible. Pour le faire aussi, où t'es le copain de qui, quand j'ai perdu dans la folie, plein de bêtes sauvages. Moi, j'étais, ça va aller trouver. Moi, ma maman, mon papa, je me suis rencontré un père jeune. Il était terrible pour les calipettes. Je rencontre ça plus tard, c'est l'heure du déjeuner. Il est parti d'un coin par un trou d'œil. Alors, Nicolas, tu as trouvé ta petite camarade? Dieu de meilleur mais maintenant. Je dis, combien dans le pied noir? Je verrai qu'on a fait. Est-ce que la devise à me raconter des blagues de vacances? D'abord, ça ne m'intéressait pas. C'est un genou. C'est un imbécile et un lin. Demain, on ira acheter des choses pour rentrer Nicolas et moi. Quelles choses? Beaucoup de choses. Entre autres, un nouveau cartable, une trousse et puis des chaussures. Encore des chaussures. Mais c'est possible, il mange. Non, il mange à super grand temps de garder ses pieds, c'est grand chose. Ses pieds, c'est grand chose. Avec maman. Des chaussures, on est un peu disputé. Parce que maman, je veux des chaussures de basket. Mais maman, je dis que c'est un cuir bien solide. Si vous ne précisez pas, là, on rentre à la maison. Vous ne serez pas trop content.
Nous sommes en train de se retrouver avec la place du réveil. Une gomme qui ressemble à une souris, avec qui ressemble à une fruite, qui ressemble à autre chose. J'espère que tu sois bien de tes affaires, Nicolas. Oui. C'est vrai que c'est suffisant avec mes affaires. Il est intenable depuis son retour. Vivement, il faut que l'école reprenne. Le deuxième épisode des aventures de Petit Nicolas, un podcast France Culture. Les aventures de Petit Nicolas, de René Consigny et Jean-Jacques Chopin. Réalisation, Baptiste Guiton. Ton menteur, répète encore, ton menteur. Ah oui, oui. Bon, à la prochaine fois, on se bat, d'accord, sur l'instaurer-là. Donc là, c'était géographie. Arsès, qui est à côté de moi, m'a dit qu'elle me tient la veste à la récré, quand je vais me battre avec Geoffroy. Elle m'a dit de taper au menton, qu'on fallait boxer à la télé. Mais non, c'est au nez qu'il faut taper. Côte d'ici, et bim, t'as gagné. Je compte n'importe quoi. Avec le frère qui marche, le crack. Quelque imbécile. Joachim, apporte-moi tout de suite les papiers que vous venez de recevoir. Je lis ici que deux d'entre vous va se battre pendant les récréations. Je ne sais pas de qui il s'agit, je ne vais pas le savoir. J'ai cassé votre surveillant après la récréation. Le coupable serait vraiment fini. Arceste, au tableau. Arceste a eu un frère interrogé sur les fleuves. Ça n'a pas marché très bien. Parce que ceux qui connaissaient, c'était la scène qui fait l'état de Milan. Nani, c'était le dernier. Tous les copains veulent trop pour la création, disent que t'en prends. Entre eux. Moi, j'étais embêté parce que la maîtresse avait une histoire pour la créer. Bien l'envoyer, c'était terrible. Beaucoup de peine, papa me dirait que quelqu'un vu que tu avais mon âge, j'étais un exemple pour ces petits camarades qui avaient me seigneur pour me donner des cas, se soigner. Est-ce que je finirai mal, que je ne tournais pas sur le cinéma. On a une grosse bouteille de la gorge, la grosse de la création. Moi, j'ai regardé Geoffroy, je suis qui n'avait pas l'air compte présent dans les cœurs. On ouvre la cour. Non, pas choqué, mais après, regardez, on va. Après tout, le vrai Nicolas se verra piné de toute façon. Alors, que Joachim me prévienne que la maîtresse va avoir, ça n'a aucune importance. Piné. On se apprenait, n'est-ce pas? Bonne dernière fois, Nicolas. Tu retires ce que tu as à dire. Bon, là aussi, moi, tu serais l'arbitre. Tu me fais bien rigoler. Pourquoi c'est pas toi l'arbitre? Alors, c'est... Pardon. C'est trop important. Moi, je ne suis pas un bon arbitre. Je ferai, hein, d'accord. L'arbitre, ça sera moi. C'est moi, n'a rien à voir. Et paf, Adina a une claque sur la figure d'Eude. C'est fâché tout blanc d'Eude. Je vais lui dire comme ça. Attends, elle se bat avec le fils. Si l'on est, les frères sont restés en tranquille. Et crier, c'est bien, pas bon copain. Arrêtez. La révolte bien se terminer. Alors, Arcès m'a demandé de tenir son croissant et a commencé à se battre avec Clotaire. Je me suis occupé à la guerre. Je ne sais pas pourquoi Joachim. Je crois que c'était bien Joachim hier. En tout cas, le copain se battre le masque des chutes. J'ai commencé à manger les croissants à ceste. Je n'ai de bois chevre. Le bien intervient encore. Elle séparait tout le monde en disant que c'était une honte qu'on a le voir. Est-ce qu'on en est là? Elle sonnait la croche. Le bouillon a raconté ce qui s'est passé. La maîtresse est fâchée. Elle a mis toute la classe en retenue. Sauf Agnès, Geoffroy et moi. Elle a dit que nous étions des exemples pour les autres qui étaient des petits sauvages. Tant de la veine que l'approcher, ce n'est pas, j'avais bien envie de me battre avec toi. Ne fais pas espace de menteur. Répète un peu, espace de menteur. Bon, à la prochaine recrée.
On se bat. D'accord. À suivre. C'est la fin des aventures de Petit Nicolas. J'espère que vous trouverez cet épisode d'aujourd'hui très bonne. Très bonne. Alors, je viens d'arriver à la fin de cet épisode, et même si je ne vais pas arrêter de parler, le podcast, parce que j'adore, je vous dire, je vous jure que j'adore cet épisode, d'écouter toujours cet épisode. Alors, je viens d'arriver à la fin de cet épisode. Je vous ai à tout à l'heure.